Écoutez, je suis vraiment, vraiment ravi d'être avec vous aujourd'hui et vous raconter mon histoire, un petit peu justement l'envers du décor. Et justement, je vais démarrer un peu par mon éducation et mes parents, parce que c'est ça qui a fait mon caractère et la personne que je suis aujourd'hui. En fait, mes parents ont fait un choix assez incroyable, c'est qu'ils ont décidé de ne jamais me scolariser. Alors, je suis pas du tout contre l'école, je suis pas en train de vous dire de ne pas aller à l'école, mais ils ont fait un choix dingue, c'est-à-dire qu'ils m'ont jamais scolarisé, même pas une journée en maternelle, parce que pourtant on n'avait pas d'argent, on n'était pas, voilà, j'avais pas d'expérience dans les affaires, dans le business, dans les médias, ni quoi que ce soit. Ma mère est grecque, mon père est algérien, je suis arrivé en France à l'âge de 5 ans, et en plus financièrement c'était vraiment difficile, mais ils avaient une philosophie de la vie différente. Ils nous ont dit, à mon frère et moi, il faut que tu fasses les choses avec passion. Il faut que tu suives tes rêves et si tu fais vraiment ce que tu aimes dans la vie, bah ça marchera. On a confiance dans la vie. Et c'est quelque chose d'assez inhabituel parce que normalement, les parents ont toujours peur, il faut que tu fasses des études, ton futur et même la société autour de nous est en train de nous dire ne pense pas à tous tes rêves, sois sérieux, etc. Et mes parents, ils n'étaient pas branchés comme ça parce que la richesse, pour eux, c'était une richesse psychologique, c'était voilà de la connaissance et de la psychologie, et pas du tout une richesse matérielle. Et donc ils croyaient en la vie. Et grâce à ça, ça m'a permis d'être finalement d'avoir aucun problème sur le doute du futur. J'ai bien sûr, je sais que je peux rater plein de projets, mais d'aborder la vie différemment. Alors j'ai essayé tous les métiers vu que j'allais pas à l'école. J'ai fait la traversée. Alors on a voyagé en plus avec mes parents. J'ai fait la traversée de l'Atlantique en voilier. J'ai fait l'Amazonie en pirogue. J'avais envie d'avoir un petit singe. On a eu un singe à Paris. C'était les choses complètement out of the box. J'étais magicien professionnel. J'ai fait du piano, du tennis, de l'acrobatie, l'école du cirque, toutes les choses inimaginables. Et j'ai commencé le roller à l'âge de 5 ans avec mon frère. Et là, tout de suite, j'ai dit à mes parents. C'est ce que j'ai envie de devenir champion de roller, c'est ma passion. Et eux, vu qu'ils n'avaient aucune peur, ils m'ont dit, bah, écoute, si c'est vraiment ce que tu aimes, on va te soutenir et fais-le à fond. Alors je me suis entraîné comme un diable pendant des années, et il n'y avait pas la mode du roller pour exploser. Et heureusement, vers 20 ans, la mode du roller en ligne a explosé en Europe, et je me suis retrouvé du jour au lendemain sponsorisé, et j'ai commencé à réaliser ce rêve, à pouvoir vivre avec mon sport, et donc même pouvoir aider mes parents financièrement, parce qu'ils avaient des problèmes financiers. Donc c'était super, je vivais de ma passion, je voyageais dans le monde entier, mais évidemment c'était dangereux, il y avait des accidents, j'ai commencé à me casser les bras et les jambes, j'ai été opéré des genoux 3 fois, des épaules 2 fois, des poignets 2 fois, la hanche cassée, les cervicales presse 3 fois, le nez 3 fois, ici ouvert les doigts, les chevilles, quoi, partout. Donc j'étais toujours à l'hôpital et sur le devant de la scène. Et à chaque fois que j'étais à l'hôpital, j'avais cette petite voix de me dire, il faut que je pense à l'avenir, parce que j'ai aucun diplôme, j'aide mes parents financièrement, j'ai pas vraiment d'argent de côté, donc il faut que je me bouge. Donc j'ai commencé à créer des boîtes à chaque fois que j'étais sur le lit d'hôpital. Ça n'a pas toujours marché, évidemment, il y a eu des échecs, j'ai déposé le bilan comme sur certaines boîtes, mais c'est la vie. Et après, quand je suis revenu dans mon sport après les accidents, je me suis dit, il faut que je trouve une idée pour amener mon image et celle de mon sport auprès du grand public. Et vu que je suis un rêveur, je me suis dit, allez, voyons les choses en grand. Et je me suis dit, je vais sauter par-dessus la scène devant Notre-Dame. Et là, j'avais trouvé une idée marketing, parce que la scène est connue du monde entier, c'est devant Notre-Dame. Et moi, je vois que les choses positives. Je me dis, c'est possible. Donc, j'essaye de convaincre le gouvernement français. On monte un dossier de 100 pages avec des ingénieurs. Je finance tout avec le peu d'argent que j'avais. Je présente ça. Et malheureusement, les institutions me disent, Monsieur Chris, c'est pas possible. Et à chaque fois qu'ils me ferment la porte, moi je rentre par la fenêtre avec un sourire et une nouvelle idée. Je leur dis, attendez, peut-être ici à la Seine, ce n'est pas possible, mais il y a peut-être d'autres monuments à Paris. Alors la mairie de Paris me dit, allez vers la Tour Eiffel, peut-être là-bas c'est possible. Moi j'entends même pas le peut-être, vous voyez. Je vais à la Tour Eiffel, je m'entoure d'une équipe, on refait un dossier de 100 pages et j'imagine un énorme événement au pied de la Tour Eiffel et je me rends compte que ça va coûter 1 million d'euros. Évidemment, je n'ai pas l'argent. Donc, je commence à contacter des sponsors et j'apprends à faire du design sur Photoshop pour mettre en gros les logos des sponsors. Et les sponsors me disent, sérieusement, si tu as la Tour Eiffel et nos logos en énorme, on te donne le budget. Et là, la mairie de Paris me dit, Monsieur Chris, il y a des lois en France, il est interdit d'afficher le moindre logo à côté d'un monument historique. Et clairement, la Tour Eiffel, c'est un monument historique. Et donc, à nouveau, je me retrouve devant un mur et toujours avec de l'imagination, j'arrive à trouver des parades. Et donc, la parade que j'ai trouvée, c'est de me dire, je vais créer un show télé
et c'est moi qui contrôlerai tous les caméras, je vais mettre 15 caméramans, et vu que c'est moi qui contrôle le show télé, je pourrai filmer en gros plan le logo qui sera que sur mon t-shirt. Après, quand même, 1 million d'euros pour un logo sur un t-shirt, c'est pas beau, c'est pas très grand. Et donc, j'ai regardé dans les textes de loi, c'était bien marqué que sur les structures, j'avais pas le droit de mettre de logo, mais c'était pas marqué à la télé. Et donc, en fait, vu que je contrôlais les images, j'ai incrusté des logos en 3D sur les rampes. Donc, sur place, il n'y avait pas de logo. Et à la télé, il y avait des logos. Et là, j'avais trouvé la parade juridique pour y arriver, vous voyez. Sauf que le maire de Paris avait quand même peur. Et c'était un précédent. S'il me donnait l'autorisation à moi, imaginez que je me tue en direct devant tout le monde. Donc, il avait peur. Et il ne voulait pas au début me recevoir. Et donc, je passe toutes mes journées au pied de la mairie de Paris pour essayer de convaincre l'assistante de me donner rendez-vous. Et à un moment, il craque. Et le maire de Paris me donne l'autorisation. Quoi, pas, il ne me donne pas l'autorisation. D'abord, il refuse l'autorisation là et il m'écrit une lettre et il me dit « Je ne peux pas te donner l'autorisation parce que tu touches l'herbe du Champ de Mars. » Et donc, tout s'effondre pour moi, je n'ai pas l'autorisation, toutes mes équipes abandonnent en quelque sorte. Et donc là, je me dis « Je n'ai pas le droit de toucher l'herbe, donc il faut que je trouve à nouveau une astuce. » Et donc, l'ancienne idée, je vous l'avais dit, c'est de faire un saut en longueur sur le Champ de Mars. Et donc, j'imagine quelque chose de nouveau. C'est de sauter de la tour Eiffel dans la rampe et m'arrêter juste avant l'herbe, puisque je n'ai pas le droit de toucher l'herbe. Alors, plein de complexités. J'arrive à 100 km à l'heure en bas de la rampe. Je dois m'arrêter à 11 mètres à 100 km à l'heure. Je me dis, si la mairie ne me demande pas comment je fais pour freiner, surtout, je ne leur dis pas. Et là, je rends complètement dingue les institutions parce qu'ils me donnent une liste de refus. Et moi, je passe des nuits blanches à apprendre à faire tous les dossiers 3D que vous voyez là et je leur donne toutes les solutions. Ils me disent, par exemple, tu ne peux pas fermer la route en bas. Eh bien, très bien, je surélève la rampe et je fais un pont et les voitures passent en dessous. Ils me disent, tu ne peux pas toucher la tour Eiffel. Il n'y a aucune assurance au monde qui va assurer la tour Eiffel. Imaginez que ma structure la fasse tomber. Donc, je leur dis, mais comment je peux sauter de la tour Eiffel si je ne vais pas monter à main nue? Alors, du coup, je trouve une astuce, c'est de mettre une nacelle qui s'arrête à 20 cm de la tour Eiffel pour donner l'illusion que la nacelle y est accrochée, mais elle ne l'est pas en réalité. Et comme je vous ai dit tout à l'heure, je passe mes journées au pied de la mairie de Paris pour essayer de convaincre le maire de Paris de me donner rendez-vous, et il craque, il accepte, et je me retrouve donc face au maire de Paris dans son bureau. Et là, Bertrand me dit, écoute, moi j'ai peur que tu te tues en direct, donc si tu veux avoir l'autorisation, tu dois me prouver qu'il ne t'arrivera rien. Mais personne ne peut prouver ça, vous voyez ce que je veux dire? Je vais sauter de 40 mètres de haut, la rampe fait 30 mètres, les championnats du monde, la rampe faisait 3 mètres. Donc ça n'a rien à voir, et je dois m'arrêter en plus, etc., etc. Mais il faut quand même que je trouve une solution, et avec, comme je vous l'ai dit, de l'imagination, on trouve toujours. Et donc je dis au maire de Paris, je vais construire une rampe d'entraînement sur un terrain vague, et je vais répéter le saut 2000 fois, le filmer, et envoyer la cassette vidéo au maire de Paris tous les mois. Et donc, s'il a une vidéo où il me voit faire 500 fois le même saut tous les mois, pendant des mois, avec une équipe de technique de sécurité, il peut se dire, ça marche. Et grâce à ça, j'arrive à obtenir l'impossible, parce que c'est clairement l'impossible, de sauter de la tour Eiffel, en tout cas l'autorisation. Et en réalité, ce n'est pas grâce à ça. En réalité, je crois que vous l'avez compris de la façon où je m'exprime, je suis passionné, et donc j'ai réussi à embarquer chaque personne, de l'assistante, de le directeur technique, du maire de Paris, à bord de mon train et les toucher émotionnellement. Et vraiment, un conseil que je pourrais vous donner dans la vie, c'est si vous êtes passionné et que vous arrivez à transmettre cette passion, vous verrez que vous allez obtenir des choses incroyables des gens que vous avez en face de vous. Et je ne pense pas que dans l'histoire en France, on aura quelqu'un qui obtiendra la tour Eiffel à nouveau. Je pense que ça n'arrivera plus. Alors, le problème quand même, même si j'avais eu l'autorisation, je n'avais pas l'argent. Donc, il y avait juste un sponsor qui me disait « Je te donne l'argent si les Français ne se qualifient pas à la Coupe du monde de foot. » Et il y avait Thierry Henry à l'époque qui avait mis la main, qui avait qualifié la France. Donc, je n'avais plus assez d'argent. Et je ne pouvais pas faire l'événement. Donc, il fallait à nouveau trouver une astuce incroyable. Et c'est là où je vous dis, grâce un peu à ma façon de penser, ma philosophie, je pense « out of the box », je me dis « Il faut trouver une astuce extrême. » Donc, j'ai été voir tous les fabricants et je leur ai dit « Faites-moi gratuit. » Et je vous assure, ça a marché. Un par un, toujours avec la passion. Je leur ai dit, écoutez, de toute façon, si vous ne m'aidez pas, ça ne se fera pas. Donc, j'ai réussi à les embarquer un par un et faire des coupes de 100 000, 50 000, etc. À la fin, je n'avais plus assez d'argent. J'avais un sponsor qui devait me payer cette somme. Et donc, j'ai mis toutes mes économies pour mettre 150 000 euros pour faire le saut. Donc, ça m'a coûté 150 000 euros. Mais vous voyez,
Un rêve n'a pas de prix. Je me suis dit, qu'est-ce que je fais? Est-ce que j'ai envie d'avoir 150 000 euros à la banque et regretter toute ma vie d'avoir sauté de la tour Eiffel? Donc, je n'ai même pas réfléchi une seconde. J'ai dit, hop, c'était parti. Et là, il y a le vrai événement qui a commencé à se construire. Et cette rampe qui fait 40 mètres de haut au pied de la tour Eiffel, qui a commencé à se construire, 100 000 personnes qui viennent voir le saut. Vous voyez, je n'ai pas touché l'herbe auprès du Champ de Mars. Alors, petite parenthèse pas négligeable, les 2000 sauts, je n'ai pas pu les faire. J'avais au final pas assez d'argent et le maire de Paris a accepté. Et donc, quand je me suis retrouvé à 40 mètres de haut sur cette nacelle qui tangue avec le vent, ben, je ne l'avais jamais fait. Et je peux vous dire que quand vous êtes à 40 mètres dans cette nacelle qui tangue, on n'est pas fier. Et donc, j'ai manipulé mon cerveau comme à la troisième personne. Je me suis dit, de toute façon, tu ne vas pas te dégonfler devant tout le monde, tu vas sauter. Donc, tu aies peur ou pas peur, le résultat va être le même. Donc, au point où tu en es, autant ne pas avoir peur, vous voyez ce que je veux dire? Et je me suis dit, qu'est-ce qui peut t'arriver? Normalement, tu ne vas pas mourir. Mais, normalement, mais je me suis dit, je vais sûrement me casser un bras ou une jambe. Et après, je me suis dit, ça m'est arrivé tellement de fois, ce n'est pas très, très grave. Tu connais le processus des opérations. Donc, j'ai dédramatisé l'accident. Et le troisième truc pour manipuler mon cerveau, je me suis dit, c'est quand même un des moments les plus magiques de ta vie. Tu ne vas pas cacher ça avec de la peur. Et grâce à ça, j'avais exorcisé de la peur. Après, le freinage était compliqué parce qu'il fallait que je m'arrête en bas. Bref, c'était compliqué. Mais c'était génial. Après, il y a eu une autre vie un petit peu d'aventurier dans des émissions. Il y a eu des hauts et des bas. Et il y a 6 ans en arrière, malheureusement, tout s'est effondré parce que j'arrivais plus à remonter des records. J'avais des films que j'avais essayé de monter, que je n'ai pas pu monter. Et je me suis retrouvé à nouveau sur le lit d'hôpital avec une opération. J'arrivais à 40 ans. Je me suis dit, je ne peux pas rester dans les sports extrêmes toute ma vie. Il faut que j'essaye de me réinventer. Et donc, je me suis dit, il faut que je me lance dans le business, dans une boîte. Et qu'est-ce que je peux essayer d'inventer? J'ai essayé d'écrire une formule magique. Donc, si un jour vous voulez créer une boîte, notez-la ou faites un screenshot. Et donc, c'est une sorte de formule magique. Au moins, votre boîte sera sur des bonnes bases. C'est tout bête, c'est choisir la plus grande industrie au monde, ubériser cette industrie, l'expérience utilisateur est roi, inventer quelque chose qui n'existe pas, c'est facile à dire, mais pas à faire, choisir une industrie qui a une distribution mondiale, etc. Et donc, je suis parti dans les télécoms, une idée dans les télécoms. Évidemment, les fonds d'investissement, quand j'ai été les voir avec mon idée, bah, ils m'ont rigolé au nez parce que je voulais créer un opérateur télécom. J'étais en béquille et pour un rollerman, ils ne m'ont pas donné un sou. Et du coup, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai convaincu tout mon entourage de me donner un peu d'argent et j'ai convaincu comme ça 130 personnes qui m'ont donné 10 millions et ça a pu démarrer. Un par un, ça a pris des années à les convaincre. Les fonds d'investissement ont rajouté 10 millions, mais 10 fois plus cher. Et donc, j'ai finalement créé 2 boîtes. Je vais vous les montrer. Attendez, hop, voilà. Et donc, il y a 2 applications. Il y en a une qui s'appelle On-Off, qui permet d'avoir un deuxième numéro en un clic sur votre portable. Donc, si vous voulez un numéro pro, un numéro perso ou un numéro pour votre voiture sur le bon coin, vous téléchargez On-Off et en un clic, vous avez un deuxième numéro. La deuxième, c'est une application un peu à la WhatsApp de la photo. Vous voulez un album collaboratif entre potes, et bien, au lieu de créer dans une conversation WhatsApp, vous pouvez faire ça. Donc voilà les 2 boîtes, on est rentable, on grandit, on est bientôt 80. Et donc, maintenant qu'on a fait un peu le bilan de tout ça, j'imagine que vous vous dites, mais putain, comment il a fait pour réaliser toutes ces choses? Ben, je vais vous dire, le don en quelque sorte que j'ai, c'est l'éducation que mes parents m'ont donnée au début. C'est cette façon de voir la vie totalement sans barrière qui me permet d'aller uniquement de l'avant sans des problèmes. Je sais que je peux rater, je peux finir à l'hôpital, je peux fermer mes boîtes, je peux rater, mais la peur de l'échec, pour moi, n'existe pas parce que je sais que la peur est un sentiment. L'échec est réel, mais la peur est un sentiment. Donc, quand je me lève le matin, j'ai uniquement l'étoile au loin du rêve que j'ai envie d'atteindre et je n'imagine jamais les problèmes à plus d'une journée. Et finalement, quand on voit d'où je partais, je n'avais pas beaucoup d'expérience, aucun diplôme, etc. Vous, aujourd'hui, vous avez la chance d'avoir déjà un bagage. Et donc, le message que je voulais aujourd'hui vous dire, c'est simplement continuez évidemment cette route qui est géniale dans laquelle vous êtes, mais reconnectez-vous avec vos passions, vos rêves, vos folies, à oser voir les choses en grand. Et là, tout est possible. Et à partir du moment où vous vous reconnectez avec ça, déjà, vous allez être heureux. Rappelez-vous ce qu'ont dit mes parents. Quel que soit votre métier, si vous faites vraiment ce que vous aimez, ben, ça marchera pour vous dans la vie. Et je sais que dans cette période de Covid, il y a parfois, on a des doutes personnels, où on est dans le noir, où il y a des difficultés. Il y a un petit proverbe que j'ai écrit pour ça. Parce que j'ai été souvent dans le noir, au fond du gouffre, comme je le dis là, et ben,
quand on est dans une difficulté, si on se rattache à un rêve, à une passion, eh ben on peut être, toute la difficulté, tout le monde devient vert autour de nous, puisqu'on oublie les problèmes. Et une deuxième chose que beaucoup de gens me demandaient, c'est comment on fait, quel est le secret finalement pour toucher les étoiles ? Ben, c'est le travail. C'est pour ça que j'ai écrit ça également. C'est en réalité, j'avais dans mon sport des mecs qui étaient 1000 fois plus doués que moi, mais le travail acharné est imbattable. Donc voilà, c'était juste ce que je voulais vous communiquer aujourd'hui. Chacun choisit sa vie. Je ne vous dis pas de devenir champion de roller aujourd'hui. Faites-nous rêver, c'est à vous maintenant, l'avenir est entre vos mains. Mais faites-le avec passion, avec travail, avec rêve et vous serez heureux, tout simplement. Merci.